C'est plus complet. C'est plus complet. C'est ça, je pense. Ah bah oui. Non. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, ouais, c'est normal qu'il soit pas parfait le système, puisque c'est l'homme qui l'a inventé. Donc forcément, il est pas parfait. Non, non, moi je vais te dire ce qui est parfait. Dans le monde dans lequel on vit, il y a des choses qui sont parfaites. Moi je te dis, il y a des choses qui sont parfaites. Et tu sais lesquelles? T'enlèves tout ce que l'homme a créé et tu laisses tout ce qu'il a trouvé quand il est arrivé. Ça, c'est parfait. La terre, la nature, voilà, la faune, la flore, ça, c'est parfait. Ouais, et ma femme, elle est parfaite. Ah non, mais attends, mais moi, j'ai rien dit, elle est à côté de moi. Moi, tu sais, moi, moi, je peux pas raconter de conneries, hein, je sais bien. Et ma femme, moi, c'est du 24 sur 24. C'est-à-dire que ma femme, là, je suis en train de te parler, elle est là, et même quand elle dort, on l'entend. Donc, bref, c'est tout. Donc, du coup, non, non, mais c'est vrai. Alors, moi, je peux pas faire genre, tu sais, comme certains qui se la racontent, c'est, ouais, moi, ma meuf, et puis, dès que sa meuf, elle va arriver, bon, les gars, je vais couper, là, je vais y aller, là, parce que... Mais quand elle est pas là, et quand elle est pas là, elle tente de ce type avec ce genre de personnage, c'est des machos, tu pleures tellement ils sont les mecs, ouais, mais moi la meuf, il entend la clé dans la porte, et il se voit, elle arrive là. Elle fait rire. C'est ça. C'est ça. Écoute, c'est ça, c'est le truc de voilà. Après, tu sais ou tu sais pas, toi, mais ou t'as appris ou tu l'as pas appris, mais. Après. Tu sais, c'est comme les jeux, ça. C'est comme les jeux. Moi, depuis que je suis dans le monde du game. Je vois bien, même sur moi, je veux dire, ça reflète ta personnalité. Ça reflète ta personnalité, comment tu joues à n'importe quel jeu, comment tu te comportes en chat de jeu, tout ça, machin, avec les gens, et puis comment tu te comportes dans ton jeu, comment tu games et tout. Ça reflète ta personnalité, il n'y a rien à dire. Je veux dire, mais il y a trop de mecs qui se mentent à eux-mêmes. Moi, je te dis franchement, il y en a trop de guerriers qui se mentent à eux-mêmes. Trop. Les mecs, ils viennent te dire que ouais, ils font pas de bébé, ils font pas de ceci, ils font pas de cela. Mais en fait, ils en ont fait à toper, tu sais, mais ils ferment ça, ils ferment leur gueule. Bon, après c'est leur vie, hein. Moi, je critique pas. Ils mènent leur barque comme ils veulent. Hein. Mais moi, je trouve quand même ça fort de se mentir à toi-même. Non, mais tu vas mentir à quelqu'un pour un truc, tu vois. Mais quand tu fais ce genre d'action, tu te mens à toi-même. Mais oui. Non, pas forcément. T'as des très très bons mentors. Ah, t'as des professionnels, lui. Ben oui. Tu vois pas sur... Mais oui. Là, continue à braquer à gauche. Mais oui, mais moi je passe quand je passe par là, mais fais attention, je connais le terrain, c'est pour ça. Mais moi je vais jamais dans la rocher, mais attends.
Oui, bon, après, moi, je sais nager, mais bon, c'est chier quand même. Non, mais c'est vrai. Les mecs, ils sont là. Il y a du sur like, il dit ceci, ceci. La dernière fois, là-bas, je lui dis. Il y en a un, il me dit, non, mais moi, je suis anti-lobby, anti-ceci, anti-cela. Bon. Je l'avais rencontré dans un chat de jeu, donc je m'en fous un peu, si j'ai pas reçu une chambre de marquage. Mais je sais pas combien de temps, peut-être une heure après ou deux heures après, j'étais dans un autre groupe d'amis, il était là. Et dans ce groupe d'amis, il y avait des modeurs, tu vois, mais des modeurs confirmés, tu sais, des mecs, voilà, ils disent, voilà, comme de Spi, c'est un modeur, il le dit, tu vois. Il dit, c'est un modeur, voilà, je suis un modeur, comme ça, tu vois. Mais bon, au moins, il se ment pas à lui-même, tu vois. Et là, tu vois, il est franc avec... voilà, il est comme ça, voilà. Il y en a un autre aussi qui venait, ils ont joué ensemble, et puis je trouvais que les maps, quand je jouais avec lui, les maps, elles n'arrêtaient pas de griffonner, ça me devait dans tous les sens aussi. Il m'a dit, ouais, c'est de ma faute, je suis désolé, mais moi... Voilà, je lui ai dit, on fera jamais de vidéo ensemble, mon gars, parce que... J'ai pas envie de voir des camions en train de rouler, des voitures qui sont à 3 mètres du sol. Ça m'intéresse pas. Sinon, j'achète un jeu de science-fiction, sinon. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis après, les mecs, ils comprennent pas. Mais après, les mecs, ils comprennent pas comment ça se fait. Alors, il y a des mecs qui comprennent pas comment ça se fait que toi, tu réagis comme ça. Alors, moi, je leur dis, mais on n'a pas le même âge. Toi, le jeu, tu le vois avec ton œil de 16 piges. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le jeu, je le vois avec mon œil de 51, tu vois. Donc, il y a une super grosse marge, en plus... Quand tu te tapes tous les opus derrière, tu sais de quoi tu parles, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi quand j'ai ces types là, des fois j'ai envie de lâcher des trucs parce que je suis mif, tu vois, mais je veux pas blesser les gens. Mais bon, j'ai envie de leur dire des fois. Tu t'es jamais fait voler en train de te branler dans le placard par ta mère? Non, eh bien continue, c'est moi une planquette. Non mais c'est vrai. Non mais attends, c'est un truc de... Le mec il me dit ne me rentre pas dedans. Non, je sais conduire. Ok. Le mec il te rentre pas dedans. Mais tu vois sa voiture c'est l'épave. Le mec il tue sans tuer. Ouais mais tu vois, après tu lui expliques, alors après tu leur dis les mecs, tu leur dis ouais. Ou alors tu leur dis, tu sais piloter? Ouais je sais piloter, y'a pas de problème. Oh d'accord. Alors je vais lancer une course. Tu lances la course, tu la mets sans collision. Le mec te dit, ah non mais là avec collision. Je dis, ah non, sans collision. Le mec dit, tu savais piloter. Eh ben il me dit justement, c'est plus réaliste. Ouais, c'est plus réaliste, tu me rentres dans le cul. Alors on va faire un truc. On va d'abord tourner sans collision, puis on verra ce que tu vaux. Eh, logiquement, sans collision. Non, mais logiquement, sans collision, t'as quand même tout le reste autour. T'as juste... Le sans collision, c'est entre les participants. Mais après, les poteaux, c'est pas sans collision. Les autres voitures, c'est pas sans collision. Les murs, c'est pas sans collision. Ah, ils font rien, ouais. Oui, mais même dans Forza, je suis pas sûr qu'il soit si long que ça. Hein. Ben moi, tu sais, Forza, moi je sais que là j'essaye de faire en sorte que GTA, je vais prendre un peu d'avance. Hein. J'aimerais bien prendre de l'avance pour justement, parce que j'ai deux jeux à jouer quand même. Mais... Moi, je suis accro. Il y a d'autres jeux que j'aime bien aussi, tu vois, Forza Horizon 2, j'aime bien. Motorsport 5, j'aime bien aussi. Le 6, je l'ai pas parce que je trouve que le 6, c'est du foutage de gueule, donc je l'ai pas. Ouais, je sais, tu m'as déjà dit, mais apparemment, je pense que tu peux faire quelque chose, hein, c'est pas... Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions.
ce que t'avais eu ? Ouais, rien. Eh ben, c'est par rapport à tes sauvegardes, en fait. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est... Il faut que tu recommences le jeu depuis... Il faut que tu fasses tout, en fait. Tout ce que tu as déjà fait, puis si tu as des sauvegardes qui traînent de Forza, il faut les virer, puis recommencer. Quoi ? Le phare ? Bah, c'est peut-être pas dans la bonne direction. Donc, je veux dire, est-ce qu'il va être pas... Moi, je pense que t'es pas dans la bonne direction. Après, je peux me tromper, mais... Ah oui, mais t'as fait tout le tour, mais le phare, il est en bas. Le phare, il est en bas, là. Il est de l'autre côté. Bah oui. Bah oui, le phare, il fallait remonter, là. Donc, tu continues. Continue parce qu'on a fait pratiquement la moitié de la map, donc tu peux continuer, hein, on retourne. Toute manière, on s'en fout. Eh, non mais on s'en fout, toute manière. Ça pleut des RP depuis tout à l'heure. RP 200, RP 600, RP 200, RP 100. C'est bien. Genre, mais, elle est bien quand même. Hein. On gagne pas rien, tu vois ce que je veux dire. Petit à petit, moi, je vois chacun ma barre d'RP qui se met et ça monte tout seul, tranquille. Rien qu'autour de bateau, je vais passer niveau 42. Regarde, là, ça tourne. Gros bonnet, 100. Ça tourne. Pourquoi ? Ah ouais, tiens, allez. Ah ouais, je veux bien, ouais. Ah ouais, je veux bien. Attends, bouge pas. Attends, je me lève, je vais prendre... Je vais prendre ce perso-là pour piloter. Hop. Allez, je suis à la barre. Allez, c'est parti. Ah bon ? Ouais, j'adore. Je me suis fait des sessions, mon gars. En bateau, en jet ski. On s'est fait des sessions aussi. Des sessions où, tous les jours, on faisait des excursions différentes. Tu sais, on s'est fait le Mont Chilial avec des smirmorphes, morts, mon gars. Ah, c'était mortel, on s'est marré. Mais en pro, tu vois, genre, pas on monte comme des sauvages, tu vois. On monte de façon à ce que les avions soient propres, tu vois. Mais il manque quand même les animaux. Ouais, je vois qu'il est plus. Ouais, parce que le Trevor, il peut aller à la chasse. Ouais, c'est ça. Non, ils sont occupés à faire des affrontements. Ouais, non, il y en a trop. Il y a trop de... Voilà, c'est ça. Carrément trop de trucs. Bah, ils privilégient les pyjamas, les kikis. C'est ça qui est privilégié. Regarde comment l'eau est. Regarde la couleur de l'eau là. Ah, elle est belle la couleur de l'eau là.